Je pense que j'aimais le défi qui était associé à l'idée de devenir avocat. Je voyais ça comme étant un métier extrêmement stimulant au plan intellectuel. Je trouvais que l'idée d'aller à la cour était aussi très, très attirante. Mais en bout de ligne, je pense que c'est vraiment la réalité du terrain, le côté vraiment pratique des conseils qu'on donne. Cette partie-là du travail, c'est ce qui me passionne encore aujourd'hui. J'ai l'impression qu'à tous les jours, curieusement, il y a un défi différent. Pourquoi tu as choisi Faskin? Quand je suis arrivée chez Faskin, c'était juste après l'implosion de l'ancien cabinet où je travaillais. Faskin était déjà le cabinet de prédilection, de choix où je voulais aller travailler. Puis à l'époque, ce qui m'attirait, c'était les gens que j'avais rencontrés. J'étais convaincue que ce serait un match parfait. Puis je me suis jamais trompée. Et à partir de là, j'ai eu des dossiers les plus intéressants que j'ai jamais eu de ma carrière. Jamais je pensais que j'allais me rendre où je me suis retrouvée depuis que je suis chez Faskin.